Enfin, ça fait plaisir. Alors les filles, oh là là, Brésil. Merci beaucoup. Votez pour Oga. Hein. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors là, je ne m'attendais pas du tout. C'est une grande surprise de passer me voir aujourd'hui. Bah, franchement, c'est bon. Bon, on va rentrer pour prendre un café. Et puis bon, on va essayer de discuter un petit peu. Voilà. Donc là, j'habite là. Hein. Donc, je vais essayer de... On va passer par derrière parce que bon, ça va faire un peu long. Bien. Donc là, je vous invite à rentrer. Merci beaucoup. Merci de m'accorder au moins 5 minutes, ou je dirais peut-être 10 minutes, pour discuter un petit peu. Je suis Madame Crisoy, pardon. J'ai 3 enfants et j'habite exactement à Toussy-Mansoué. Quoi dire? Mon ambition de me présenter est venue tout naturellement par le biais d'une sœur qui s'appelle Marie-Jo. Parce que je tiens à préciser cela parce que l'idée n'est vraiment pas venue de moi, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas pensé. Moi, je pensais rendre service comme ça, mais pas pour être à la tête d'une association. Et surtout que c'est une grosse association, donc vraiment, je n'ai pas eu l'idée. Bon, je vous explique, j'étais là et puis elle est venue me voir. Elle m'a dit, Olga, on va discuter. Je dis, ah bon, j'espère que c'est pas trop important, comment je pourrais dire ça? C'est pas trop grave. Elle m'a dit, oui, non, c'est pas grave, c'est entre sœurs. Et elle m'a dit, tiens, je suis venue te demander pour que tu puisses te présenter aux élections, pour être à la tête de l'AIL. Je lui ai dit, bon, tu penses que je suis capable? Et puis on a commencé à rigoler. Quand on a rigolé, après je lui ai dit, non, arrête, parce que bon, moi personnellement, je ne me sens pas du tout. Je ne me sens pas parce que c'est une grosse responsabilité. Et pour être à la tête, vaut mieux que ça soit un homme. Elle m'a dit, non, que tu peux y arriver. Je lui ai dit, disons, Dieu merci. Au moins, tu crois en moi. Mais sincèrement, je ne suis pas partante. Et elle est partie. Elle n'est pas partie sur le feu de la colère. Elle m'a dit, bon, comme elle était pressée, donc elle est partie. Un autre jour, elle est arrivée. Elle m'a dit la même chose. Elle insistait. Je lui ai dit, ah bon, franchement, tu prends ta chose au sérieux parce que bon, moi, c'est vraiment pas dans ma tête. Donc, on va voir. Bon, ok, je vais y réfléchir. Je te dirai. Et puis elle est venue la troisième fois. Quand elle est venue avec le frère Stéphane. Et j'étais tellement surpris parce que je ne savais pas. Quand je l'ai vu, j'ai commencé à rigoler, mais l'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Et j'ai vu Stéphane qui, lui, je le voyais comme ça parce que c'est un jeune. Donc c'est un jeune du pays aussi. Hein, il est de la Côte d'Ivoire. Donc bon, on se dit bonjour de temps en temps quand je le vois. Et puis, bon, personnellement, on ne se fréquente pas. Donc j'étais un peu surprise aussi de le voir. Et ils sont venus tous les deux me dire que oui, ils voudraient que je sois à la tête de l'AIL. J'ai dit non, sérieux? Et ils ont commencé à m'expliquer de long en large leurs idées. Je leur ai dit d'accord, mais moi franchement je ne peux pas. Je ne pourrais pas parce que c'est vraiment lourd. Ils ont dit non, on sera à tes côtés. Tu n'as pas à avoir peur. J'ai dit ah, bon ben ok. On va essayer d'en discuter un peu plus parce que vraiment je n'ai pas l'habitude. Et ils m'ont parlé sérieusement. Quand ils m'ont parlé, j'ai dit d'accord. Bon, ben, moi, je vais vous dire oui, mais il faudrait que je me prépare, il faudrait que vous soyez à mes côtés. Et c'est comme ça, l'idée est partie. L'idée est partie. Donc, pour vous dire franchement, ce sont ces deux personnes-là qui sont venues me dire ça, qui sont venues me chercher, on va dire, à la maison, pour me proposer de me présenter. Depuis ce temps, j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai commencé un peu à aller vers les frères. Donc quand les deux frères sont venus me voir,
quand les deux frères, non, les Marie-Jo et Stéphane sont venus me voir, je leur ai dit, ah, franchement, il faudrait qu'on voie les frères et les sœurs pour qu'on puisse vraiment savoir. Parce que bon, moi, mon intention, c'est vraiment pas la division. Donc, on va essayer de savoir ce qu'ils en pensent. S'il y a quelqu'un qui veut se présenter, moi, je voudrais vraiment me mettre à ses côtés pour travailler avec cette personne. Donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, ce serait de rencontrer chacun. Et c'est ainsi qu'ils m'ont dit non, que le président sortant, Madou Gustave, les a déjà contactés et que personne n'est intéressé. Personne n'a... disons, on va dire que personne n'était intéressé. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Et nous sommes partis. On a fait le tour de chaque Ivoirien pour dire notre intention de nous présenter. On a eu l'approbation de tout le monde. Et tout d'un coup, j'ai appris que il y a le frère Désiré qui se présente. Bon, moi, je suis vraiment d'accord. Je suis d'accord pour ça, qu'il se présente. Mais dans mon entendement, comme je l'avais dit, je ne veux pas qu'on soit divisé. Parce que s'il avait dit dès le début qu'il se présentait, je ne me serais pas présenté, je me serais vraiment aligné pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Bon, ça ne me dérange pas. C'est un challenge. Donc, de toute façon, on va le relever. Mais tout d'abord, moi, personnellement, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est le rassemblement. Vraiment, pour qu'on soit vraiment ensemble. Parce que j'ai l'impression, c'est pas question qu'on est dispersé, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment ensemble. Donc, si on peut vraiment travailler ce côté-là, permettre aux Ivoiriens d'être ensemble, créer vraiment un lien fraternel entre nous. Ils étaient d'accord. Je dis, bon, d'accord. Donc, on va essayer de contacter chacun de nous et puis transmettre nos idées. Comment leur parler? Comment s'approcher d'eux? Mais je voulais quand même rectifier quelque chose. C'est que je ne suis pas du genre à dire, oui, je vais aller commander ou bien ceci, cela. Ils sont venus me demander par rapport, surtout à la Sainte-Marie-Jo, elle m'a dit par rapport à mes activités, à mon dévouement, par rapport à mes soeurs, à mes frères, tout et tout. Donc, c'est pour cette raison-là que vraiment, je vais le faire. Mais je ne viens pas là pour dire que oui, je vais commander mes frères, je vais commander mes soeurs. Non, non, non. C'est une idée de se mettre ensemble et puis travailler ensemble. Donc, on s'est mis à trois et on a trouvé un peu trois points que ce soir, je voulais vraiment vous parler de ces trois points-là, de ces trois grands points que nous avons soulevés. Le premier point, c'est le rassemblement des Ivoiriens. Mais ce point-là, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que le frère Stéphane va vraiment vous le développer. Parce que bon, on s'est un peu partagé le travail pour pas qu'on dise oui, je m'approprie tout parce que bon, c'est un travail de groupe. Donc, il faut vraiment que ça soit vraiment, on vous le montre que c'est vraiment un travail de groupe. Donc, Stéphane va développer le premier point qui est le rassemblement des Ivoiriens. Ça, et le deuxième point, c'est le social. Le social, bon, je vais m'expliquer. C'est de trouver un centre culturel dans lequel nous allons nous rassembler, dans lequel nous allons travailler, dans lequel nous allons promouvoir, en quelque sorte, la Côte d'Ivoire, nos cultures, et même où nos enfants pourront venir se distraire, c'est-à-dire apprendre le français, parce qu'ils sont nés dans un pays anglophone. Donc, pour apprendre le français et échanger avec leurs amis, voilà, surtout. Donc, ce centre-là, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais ce centre va nous permettre de faire beaucoup d'activités, en quelque sorte. Beaucoup, parce qu'il y aura des manifestations, que ce soit de joie, que ce soit de tristesse. Donc, ce centre nous servira de ça. Et ça sera vraiment un grand combat que nous tous, nous devons mener ensemble pour l'acquérir. Parce que non seulement ça fera de sorte que les autorités sachent qu'il y a une
il y a une communauté ivoirienne qui est représentée à travers ce centre-là. Donc, pour ne pas trop m'attarder dessus, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et je dirais le dernier point, c'est le projet économique. Inciter les Ivoiriens à investir et à entreprendre. Sur ce, je vous dis à samedi et vive l'AIL.